Cette situation du pauvre là. Il est minuit 2, je dois aller à Albertville. C'est genre trop loin là, à cette heure. Et là. Putain, c'est la base. Sandwich comme ça, c'est la base. Ah ouais, c'est trop bon, il y a la radio qui s'excite là. Là, je suis en train de finir. Non, parce que le plus dur, c'est l'introduction. Il faut que je fasse mon introduction. Je sais pas comment la faire. Bon. Yo, my man. C'est Vince. On a un invité spécial aujourd'hui. Qui est l'invité spécial? C'est ma mère. Cet américain de 25 ans est parti avec sa mère. Ça va, Sylvie? Oui, ça va. Ça va très. Aujourd'hui, on va aller où? On va aller où, Sylvie? Amsterdam. Alors là, il est bientôt 6h. J'ai une tête, laisse tomber. Et on est prêt pour Amsterdam. On a moins de 48 heures pour visiter la ville. Avec Sylvie, on y va un petit peu à deux à l'heure. On est parti à peu près 50 000 ans à l'avance. C'est ça de partir avec la mère. Mauvaise idée, les gars. Elle est en train de prendre à peu près tout en photo. Enfin arrivé à Amsterdam et du coup là on va essayer de trouver un bus. Alors bon, je suis pas trop au fond. Puis après bah on n'a pas vraiment de plan. Du coup vu qu'on a tout fait à l'arrache, on va s'enjailler. Dormir debout, The Reaching Sing Museum, voilà, qui a l'air d'être cool. Ouais, tu sais, je suis un grand fan d'histoire. Ma question que tu te poses sûrement, c'est mais où est donc passée ta mère, Vincent? Et bah, je sais pas, elle est par là, je ne sais où, en train de prendre des photos. N'oublie pas son Instagram, aux petits oignons cet Instagram. J'arrête de bosser. Non, je parle à ma caméra. Est-ce que je peux être bipolaire? S'il te plaît. Merci, maman. C'est là, Inception. Elle me filme, je me filme, on se filme, tout le monde se filme. En vrai, j'en peux plus, j'ai pas assez d'art moderne. J'en peux plus, c'est une expo d'art moderne, mais que je considère tel quel, quoi. Là, je viens de faire fou une dame qui était assise à côté de moi. Bah, du coup, j'ai.
coup, je récupère le banc pour moi tout seul. Écoute, c'est ça le voyage. Avant tout, c'est ça. Avant tout, c'est avant tout dormir. Là, c'est une nature morte. C'est l'histoire d'un mec qui faisait des croquis de bites. Mauvaise idée, les gars. Thanks. Donc ça c'est le I am Amsterdam. On était, quand on est arrivé ce matin en fait, il y avait 2-3 pélos. Plus les enfants, c'est que là, il est 2h de l'après-midi, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Donc tout le monde prend les photos, mais en fait avec tout le monde. Écoutez, moi je vais mettre sur les photos des gens. Parce qu'on est des Américains. Voilà. Voilà. Sylvie, donne-moi une bonne introduction. Merci Sylvie. Yo les gros! Vous allez me dire pourquoi on a froid. Alors, voyez la superficie du bateau. Bon, je filme, attention, acteur studio. Superficie du bateau, donc voilà un bateau d'américain. Et quel est le système de chauffage qui nous est procuré? Tout simplement un petit chauffage de merde. Alors là, Noémie, elle nous a laissé un truc. On sait pas trop ce que c'est. Ça ressemble à une sorte de pain de mie compressé. Du coup, on va tester ça. On va tester ça. Et en plus, Sylvie, elle a tellement envie de tester ça. Mais si, mais je crois que c'est du pain de mie. Hein. Moi. Bon, c'est pas le premier truc que je vous conseillerais si vous venez à Amsterdam. C'est pas le deuxième truc que je vous conseillerais non plus. Ouais, on va le remettre dans la boîte. On va refermer. Hein. Noémie, t'es la manageuse du bateau. Oui. Donc le nom du bateau, c'est quoi? On fait un peu de promo, un peu de pub. Aventure. Elle appartient à Van der Vanderkuip. Et Loulou. J'ai regardé les rushs vite fait et j'ai vu qu'au niveau du son la GoPro c'est pas top et surtout que je parlais pas assez fort. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, c'était juste pour se faire plaisir. J'ai pas beaucoup dormi au final sur le week-end là, mais c'est mon choix donc je m'en plains pas. Juste que je rentre là lundi soir, faut pas encore que je bouge parce que je travaille pas là où j'habite. Et donc j'ai au moins pour 2 heures de route. Du coup je vais rentrer à 1 heure.
et je travaille à 6h du mat. Et c'est un peu physique. Et du coup, ça va être... Je pense que demain, au boulot, ça va être un peu rigolo. Mais par contre, le truc, c'est que... Bah, j'aurai ça dans la tête. D'ailleurs, il y a les petits chiens. Là. Encore la journée là qui s'annonce. On va voir ce qui va nous attendre. Noémie, grave cool, je vous conseille. Au final, c'est pas si cher que ça. Après, c'est sûr, si tu vas dans une auberge, c'est toujours moins cher. Surtout à Amsterdam. Il y a beaucoup de trucs routes, de choses comme ça. Puis c'est aussi l'expérience d'être dans un bateau. Moi, perso, j'avais jamais fait. Bah mon cul est totalement trempé, Sylvie. Allez, viens, viens. Je sens qu'elle veut venir avec moi. Allez, viens. Est-ce qu'on serait pas au top. Donc là, il fait... Putain, on est au soleil. Putain, il fait chaud. Calme-toi, Sylvie, calme-toi. Moi, je reste pas là. J'aime me beurrer la biscotte. Je suis à poil, mais par contre on peut pas filmer. Ok, d'accord. Les femmes, elles sont en général dans les petites ruelles en fait de ce quartier. Donc là par exemple, je vous montre, vous avez les sex shops qui sont un peu partout là, et à chaque fois vous avez les intersections des ruelles qui sont là-bas, ou qui sont là-bas, et en fait elles sont dans ces petites ruelles là. Honnêtement,
c'est marrant, on va pas se cacher. C'est très chaud, très très chaud. Entre deux femmes nues, hein, t'as un mec qui te propose des gaufres. C'est génial. Vas-y, c'est le coup de gueule de Sylvie. On n'est pas dans un zoo, hein. Faut arrêter. Hein. J'ai un pote, Steven, qui dira oui, mais dans les zoos, les animaux, ils sont en cage aussi. Oui, bon, bah voilà. Les gars, on n'expose pas des hommes. Nous, on n'expose pas des hommes parce que je sais pas. C'est moi qui ai inventé les concepts. Ah putain, il y en a encore là. Bon, bah il y en a encore là, les gars. Donc. J'aime bien, c'est parce que c'est interdit d'être filmé en fait. Les nanas, elles se couvrent. Si tu filmes. L'intérêt, c'est pas que je vous les montre comme machin, mais c'était plus pour voir le délire, tu vois, j'aurais flouté ou quoi après au montage. Mais c'était plus pour montrer l'effet, en fait, de voir la nana derrière la vitrine. Sans faire des tonnes, tu vois, c'est comme ça, c'est le pays, c'est la fonction, je m'en fous, en vrai. C'est, tu vois, c'est pas moi qui va changer le monde à ce niveau-là. Mais le truc, c'est que, juste pour voir l'effet, en fait, et c'est là que tu te rends compte, ça, c'est vachement bien. Enfin bref, c'est un délire, pour venir, je vous laisserai visiter Amsterdam et je vous laisserai en fait faire votre propre opinion, parce que c'est ça le plus important, c'est que vous fassiez votre propre opinion sur les choses, avec votre propre esprit critique, les gars. C'était le moment sérieux de la vidéo. Un produit magique. Si. Un produit magique. Est-ce que Sylvie, on n'aurait pas assez des bons clients? Des bons clients. Mais est-ce qu'on a acheté? Non. Non. Bah, fais son taf, elle essaye de vendre. Hein. Fais son taf. Mais en plus, c'était pas mauvaise du tout. Hein. Mais bon, c'est bon. On a compris, en 2017, tu te fais plus trop avoir pour ce genre de technique. Quoi. L'avion dans une petite heure, du coup je vais finir le vlog maintenant. J'espère que vous avez kiffé, en tout cas c'était une première, alors il y a eu plein de ratés, mais par contre il y a eu plein de trucs cool, on a bien bouffé, c'était cool aussi de partir avec ma mère. J'ai 2-3 projets, j'aimerais bien faire des vidéos en fait comme ça dès que je peux partir aussi, parce que j'ai un travail à côté, parce qu'il faut quand même financer tout ça. Après j'ai déjà plein de destinations en tête. Donc j'espère vous montrer ça dès que je peux partir, je repars pour vous montrer un peu ce qui se passe. Et j'ai aussi plein de personnes avec qui j'aimerais voyager qui sont proches, d'être marrant, de vous montrer un peu leur délire à chacun. J'espère pouvoir faire tout ça très rapidement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien, les gars.